la Cour suprême donnait une lode à l'État, à l'exécutif et à une branche de l'exécutif, vous êtes obligé de suivre sa lode-là, vous n'êtes pas exempté de ces affaires qui ne peuvent pas suivre lode-là. Peine à droit. Bizarre suivre lode. C'est la loi et pas capable d'évader ça la loi-là. Il est clair, il est simple. L'État bien suivre lode de la Cour suprême, le Premier ministre bien suivre lode de la Cour suprême et tout le citoyen bien suivre lode qui a gagné des biens de la Cour. Pas capable de sortir de là. Alors, quand le juge Magua dit qu'il peine à droit déporte M. Peter Ouritchek depuis l'île Maurice sans suivre ce qu'il y a dans le Deportation Act, ça veut dire bizarre faire de façon légale et qu'il y aussi dire qu'il quand on peut extraire ça du monde qui appelle Peter Ouritchek là, il peut dire on n'a pas tiré depuis l'île Maurice tant qu'il a affaire devant la cour de pour lui. Ça appelle ça une procédure d'extradition. Puis écoute, une affaire d'extradition devant la cour pour lui qui finit commencer. Tant qu'il pas fini sa question, on paye le droit. Ou paye le droit des potes. Et en plus, il dit que le 28 avril, ça veut dire demain, pas quoi arriver, le demain, les partis, c'est-à-dire le State of Mauritius, Honorable Prime Minister, Passport and Immigration Office, Attorney General, Director of Civil Aviation, bizin vient devant lui et pour expliquer lui qui fait sa lode qu'il lui donnait là, pas bizin faire lui étendre sa lode là. Allô? Comment vous sa vidéo que Yatine Bowman a gagné poussé? Comment vous la violence avec laquelle Yatine Bowman, avocat qui peut faire ce travail pour un client? Comment est la violence dans laquelle il fait victime? Il est une victime de violence. Non seulement il est une victime de violence, ce client est victime de violence. Parce que, d'après ce que M. Yatine Bowman a clairement dit à moi, pas finena une deportation notice d'après la loi qui finit servir au client. Et il y en a une autre qui dit tant qu'il a fait pas fini devant la cour de pour lui, peine à droit déporté. C'est-à-dire, tout ce que la police finit faire, c'est illégal. Tout ce qui finit autorisé, toute autorité qui finit autorise et facilite la déportation, dans les deux la Cour, un juge la Cour suprême, dans les deux une affaire qui peut dérouler devant la Cour de pour lui, tout cela, c'est illégal. Alors, pose-vous la question, et c'est cette question qui me fait poser moi-même, c'est comment se fait-il alors qui un citoyen ou une personne qui a l'île Maurice, qui frappe à la porte de la justice, la Cour suprême, et la Cour suprême émet une lode, et malgré sa lode-là, ou gagne ben, du monde qui en charge l'immigration, ben, officier d'immigration, ben, officier du ministère du Premier, le bureau du Premier ministre, ben, officier du Attorney General's Office, le directeur de Civil Aviation, avant même qu'il bougla fin rentre l'avion, fin déporté, tu finis gain communication, ça l'autre là. Tu finis la communication. Et pour trouver ça l'autre là, il a ce stop, il écrit, à la ila, c'est clair, c'est le 26 avril 2022 qu'il finit émettre. Et signé par le juge Magua, à la ila. Il signé ici. Ce juge Magua se signature. Alors, comment la guerre ça dans l'autre-là? Mais ce pénal, l'autre choix porte respecter ça l'autre-là. Alors la question que les citoyens posent aujourd'hui, c'est que quand ou un avocat fait ce travail, un juge de la Cour suprême donne l'autre, et qui ou gagne le gouvernement, bien meilleur dans l'autre-là, quand ou gagne le gouvernement, à travers ce bande branche de l'État, faire foutre en l'autre-là, comment y a-t-il vraiment un dieu, je vais faire foutre en l'autre-là. Quand on gagne sa qualité de situation-là, nous pas capables de dire qu'il nous peut vivre dans l'état de droit. Parce que quand nous commençons débout et nous dire qu'il nous peut vivre dans l'état de droit, c'est faux. C'est faux. Ça veut dire parce que quand il y a un lot de la cour dans l'état de droit, dans l'état normal, dans l'état démocratique, dans l'état que mentionné dans la Constitution ou un état démocratique ou un état souverain, là ou à Tan, qui, bonne instance, bonne
branche de l'État suive sa loi. Vous connaissez, il y a beaucoup de gens maintenant qui pas nécessairement qualifiés dans le domaine de la loi. C'est pas votre faute, vous n'avez pas compris la loi qui veut dire. Alors, sans qui vous avez une mauvaise intention, vous pouvez dire oui, mais Allah est là. Ça dit moun là, puis il y a des potes lui-même parce qu'il a un apéro de lui pour une affaire, un ban crime qu'il commet. Bon, Dieu ne connaît pas qu'ils affaires. Mais comprendre les affaires, c'est tout le monde qui a envie qu'il nous paye, reste une démocratie. Il est important de comprendre ça. Ou imaginons, si à ce là nous vivons dans une situation que, clairement, le gouvernement pas casse la tête avec ce qu'il a la Cour suprême faire, et là, nous retournons dans une situation que, nous commençons à poser nous la question, alors, c'est qui dernier rempart pour protéger nous, qui nous est là? Qui dernier rempart nous est là? C'est ça la question. Si ou gagne un gouvernement qui fait dominer en haut, si ou gagne un gouvernement qui pas suivre une loi de la Cour suprême, imaginez-vous, un citoyen ou même, imaginez-vous, ou gagne une caisse à la Cour suprême contre la police, si ou gagne une caisse contre l'État, parce qu'il arrive, imagine une caisse de négligence médicale, imagine une caisse contre le gouvernement qui rentre dans le terrain ou empêche rentre dans le terrain ou gagne une injonction. Injonction finit donner dans le faveur, mais ben là, quand ils rentrent même, parce qu'ils ont bien merde avec la Cour suprême. Imagine ça, scénario-là. Alors, c'est ça qui commence. Interpelle-moi et me pensais qu'il nous disait réfléchis là. Imaginez-nous à ce stade-là qui scénario qui ouvert devant nous. Qui investisseur qui pour content vini quand Livin Maurice lit réalisé qui ah attendez un petit moment même s'il gagnait contre la Cour contre le gouvernement Maurice dans la Cour suprême, gouvernement pas poursuivre l'ordre de la Cour suprême. Qui investisseur pour intéresser vin d'un pays, sa qualité-là? Qui investisseur pour intéresser vin d'un pays que un l'ordre de la Cour suprême, un juge de la Cour suprême n'a pas respecté par l'État? Mais base-moi, clairement, là, c'est qui mon camarade Yatine Bahama, fin laisse-moi connaître, qui quand ou service à l'ordre-là, et il fait service à l'ordre-là, à ban l'air spécifique avant qu'il du moun la déporté aller, ça veut dire l'État fin agir dans l'illégalité. À ce stade-là, vous gagnez qui gagne, vous venez dire, c'est pas Yatine Bahama, il empêche de faire ce travail. Tout citoyen est un droit empêche n'importe qui officier de police faire un travail qu'il peut faire de façon illégale. Écoute-moi bien que mon pédiaou là. Quand un officier de police peut faire quelque chose qui est illégal, le droit de sa citoyenne-là, c'est empêcher la police de faire quelque chose d'illégal. C'est ça, c'est qui la loi dit. Et vous pouvez dire ça en tant qu'un avocat, parce qu'il y a la police, un premier ministre, un ministre, un député, ou un juge, qui que ce soit qu'il y était, la loi, sa pays-là, l'applique à tout le monde. Tout le monde a une obligation de suivre ce que la loi dit. Mais l'île Maurice, à partir de hier, vient montrer nous un différent visage. Un visage que, clairement, la démocratie n'existe plus, nous donne une dictature, purement et simplement.